All right, Mutaking's episode in the Brunel documentary. I've only seen my episode so far, so this is going to be the second one we're watching. Let's get started. Quel est le joueur e-sport ayant gagné le plus de tournois, tous jeux vidéo confondus, avec plus de 330 trophées remportés Let's au go, long Jason. De sa carrière. Excellent dans tous That's les aspects so many de Smash Bros. Et jouant de nombreux personnages, il a été le tout premier joueur de Melee à atteindre le rang de dieu. Laissez-moi vous parler de Jason Timmerman, plus connu sous le pseudo de Mewtwo King. Pour Mewtwo King, Smash Bros, c'est toute sa vie. Il n'a jamais eu d'autre boulot que joueur de Smash, bien qu'il soit diplômé en game design et en informatique. Les jeux vidéo, il est dedans depuis toujours, et quand c'était pas Smash, c'était d'autres jeux Nintendo comme F-Zero. I've been doing that since before, like, my first memories. When I was like a child, like an infant. Right. Like 1-2 feet tall, like that young. I was doing it then, I still do it today. Alors, je veux pas forcément m'étendre là-dessus, mais pour parler de Mewtwo King et comprendre le personnage, il faut parler d'une de ses particularités. Il est autiste. Plus précisément, il a le syndrome d'Asperger, un trouble qui implique notamment d'énormes difficultés dans les interactions sociales avec d'autres personnes, car il rend compliqué de comprendre la communication non verbale, de reconnaître les émotions sur le visage des gens, et il peut aussi avoir des vrais problèmes à comprendre le second degré. One time we were in a car together, and we made a joke about like, just get out of the car. And he opened the door and tried to leave while we were driving. I mean, I think he would have done it if we hadn't pulled him back in. He's a complete nutcase. Mais aussi, I mean, I didn't know Mewtwo King back then. Like, first time I went to the US was like in 2009. And that story from Wife is like significantly older, I imagine. But Mewtwo King has done such a tremendous, tremendous improvement since I started learning, knowing him. It's amazing. It's amazing to see for sure. I think the Smash community helped him a lot in that regard, because as a player of Mewtwo King's caliber, you are like forced in the spotlight, right? So I think that was making wonders for him. So very happy for him. Mewtwo King est un gros troll qui adore se marrer et faire rire les gens en match. Il est connu pour prendre parfois Pichu lors de premiers tours de tournoi, juste pour battre ses adversaires avec un personnage mauvais, carrément conçu par les développeurs du jeu pour être moins fort que le reste du casting. Célèbre aussi son usage de la chaîne de Shake pour humilier ses adversaires, un coup considéré inutile en compétition d'habitude. Et même hors du jeu, il ne rate pas une occasion pour faire des blagues. Il est comme ça. The thing is, like, the Marv guy is more like easily because I think Peach Marv, that matchup is more based on rules and fucking Sierra and Mewtwo King, they're fucking stupid a lot of times. En bref, Mewtwo King a une personnalité qui dénote Mewtwo King is like a little kid. He's like a little kid. Vous pouvez même trouver sur YouTube des compilations des LOL Mewtwo King, le nom qu'a donné la communauté à tous ces moments où Mewtwo King fait du Mewtwo King. Le plus célèbre d'entre eux, vous l'avez sûrement déjà vu, même si vous suivez pas Smash Bros, c'est cette image. Oui, oui, c'est bien Mewtwo King dessus, et pour la petite histoire, c'était un coup monté, juste une nouvelle blague de That's such a classic picture. Reproduire le cliché du personnage d'animé qui ne sait pas quoi faire dans cette situation. Mewtwo King adore jouer de son image de gros nerd pour faire des blagues, mais ça lui joue aussi des tours. Au début de sa carrière, certains joueurs le trouvaient insupportable car il ne sait pas toujours quand s'arrêter de troller. If Mewtwo King himself was a Smash character, this would be one of his moves. 100%. That's an iconic Mewtwo King move. Seen it plenty of times. Really warranted, because what is Falcon gonna do? Did you? Oh, look at oh, look at oh, this oh, oh. Mais revenons à 2001, à la sortie de Smash Bros. Melee. Yeah, kinda like Luigi's Dash Attack, kinda. Yeah, they're roughly as strong as well. La communauté compétitive Smash Bros telle qu'on l'entend n'existe pas. On a à cette époque que quelques joueurs qui commencent gentiment à s'organiser pour faire des tournois chez eux ou dans des petites salles. Très loin de tout ça, Mewtwo King, 13 ans, s'amuse sur Melee tout seul chez lui. Il n'a pas d'amis avec qui jouer, mais il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de comprendre le jeu, le décortiquer. Et pas juste comprendre les personnages ou encore les terrains. Non, Mewtwo King, c'était différent. Il voulait
tout savoir. Un des effets du syndrome d'Asperger est une obsession maniaque pour des sujets très spécifiques, et on retrouve totalement ça chez Mewtwo King. I want to be like Goku and Vegeta from Dragon Ball Z, so I did 50 diamond push-ups every other day because I had a burst of motivation, and then I went from average guy to super bulky for with no effort. Well, I put in some effort, but then I stopped caring. So I was like, wait. This doesn't matter, I think. I just go back to playing video games and living in my own. La vraie obsession durable de Mewtwo King, ça a été Smash Bros. Melee. Et cette obsession a été à l'origine d'une de ses performances les plus dingues, et cela des années avant qu'il ne participe à son premier tournoi. Il a découvert la frame data de Melee. Littéralement. La frame data d'un jeu vidéo, c'est les chiffres qui définissent ses coups. Par exemple, le forward smash de Mars prend 9 frames à se lancer, est actif sur les frames de 10 à 13 et a 36 frames de latence à la fin avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Melee tourne à 60 frames par seconde, ce qui veut dire que ce coup sort en un sixième de seconde. Tout ça, on le sait car aujourd'hui, on a facilement accès à des logiciels de capture pour vérifier chaque frame et c'est très facile de se renseigner sur le sujet avec internet grâce à des sites dédiés à ça. Mais à la sortie de Melee en 2001, c'était pas la même, et tout était à faire. Mewtwo King a passé des centaines d'heures sur le jeu à rechercher cette frame data, donc les frames de tous les coups de tous les personnages, mais aussi les frames des roulades, des esquives sur place, etc, etc. Il a même fait des listes pour classer les personnages du plus lent au plus rapide, par exemple. Et tout ça sans caméra, ni logiciel, ni rien. Il a utilisé les moyens du bord pour tout découvrir. C'est-à-dire faire pause juste après qu'un coup soit lancé, dessiner à la main la silhouette du personnage à cette frame précise sur du papier, car à chaque frame le personnage a une silhouette différente, et répéter ça encore et encore jusqu'à avoir le bon nombre de frames de l'attaque. Et ça se complique encore pour les listes où il compare les persos entre eux, genre calculer à quelle vitesse les personnages tombent au sol. Ça implique de tirer des lasers avec Fox en même temps qu'on tombe dans le vide avec le personnage qu'on teste. En connaissant les frames auxquels sortent les lasers, on peut calculer combien de temps met un personnage à tomber. Très ingénieux, mais... This type of stuff, like, I know Mewtwo King have told me some of these things. Not all of the stuff he did, but he has told me quite a few of the stuff he did. For frame testing back in the day, it's crazy. The patience required to go over all of these things, and like, if I remember correctly, a lot of the stuff he did go over was stuff that is not practically even like, you know, useful for like competitive play. But he still was going over like basically, actually everything there is. I don't understand how he had the patience to test all of this with how rough there is to do this without like more useful tools. But I mean, that's impressive. That's impressive. Shows how dedicated he was to learn about the game. Mais aussi très chronophage. So the easiest way to do this is to actually take my foot easiest. And hold down on the control stick, hold B with this, and then I would hold down on the controller like this. Et le plus beau, c'est que les mesures de Mewtwo King étaient en écrasante majorité bel et bien correctes, malgré ses méthodes archaïques. Ce qui vous montre à quel genre de mec carré et méthodique on a affaire. Et n'oubliez pas qu'il a fait ça au début des années 2000, c'était ultra rare que les quelques joueurs compétitifs de cette époque s'intéressent vraiment à chercher ce genre d'infos. C'était une époque où ça jouait beaucoup au feeling. Et la compétition, justement, ça va commencer de façon très compliquée pour Mewtwo King. Il n'était pas un prodige, il était même vraiment très mauvais quand il a commencé. Il avait beaucoup de mal à exécuter même les techniques les plus simples. When I started playing, I could short out 1 in 4, 1 in 5 times with Fox. Yeah. I couldn't even like teleport downwards with Mewtwo because my hands were so slow. Yeah. And now I can like do it with one hand. It's literally just from practice. And I think people want the easy way out and there's not always an easy way. You're the genius of hard work in our community for sure. Yeah. De plus, comme on l'a dit, yeah, il n'avait personne avec qui jouer pour s'entraîner. I love Mewtwo King. Jusqu'à 2004, il joue principalement contre des ordinateurs, ce qui est un très mauvais moyen de progresser, car un ordinateur agit toujours de la même façon, ne fait pas de mind game, bref, c'est pas un humain. Et Mewtwo King regrette encore aujourd'hui d'avoir perdu 2 ans de Smash à affronter des ordis. Il commence à se déplacer en tournoi en 2004, et se rend vite compte du problème. Il joue de façon robotique, il fait tout le temps la même chose.
comme les ordis qu'il a tant affronté. Et il se fait massacrer par les joueurs habitués à affronter des humains, car il n'arrive pas à adapter sa façon de jouer quand eux s'attaquent. Yeah, like, this aspect, I want to say, like, this issue described here, of like, not mixing it up, always going for the same thing, playing as computers. A lot of people, even good players, can sometimes suffer to this when they are playing against bad players. Because bad players are not really going to punish you for doing the same thing over and over. Like, if I play against a bad player, I can do the same thing 100 times in a row, and a lot of them are not going to be able to, like, punish that, right? So, in one way, you could argue that I don't have to mix it up, right? Because I keep getting away with it. So if you are playing as people of a skill level significantly lower than your own, what I personally tried to do, at least, was treating them as they are top players. Like, always, like, try to understand and remember the fact that if I play against a good player, then playing, you know, the same every time, that's never ever gonna work. So that was like a huge reason for me personally why I always try to, like, treat all opponents very seriously, so I wouldn't fall victim to this fact. Of course, it's gonna be harder and worse than if you actually have access to the best players that forces you to do it, but it's something that is still, like, good to keep in mind, I would say. S'adapte à lui. Mais ça, comme le reste, il va l'apprendre. Car s'il ne semblait avoir aucun talent naturel pour ce jeu, il avait une méthode de travail et une motivation inégalées à cette époque. I had to try harder because I had no resources. Do you think that that's what made you who you are today? Motivation is everything. When you if you want to reach your goal, just do it. If it's harder, en juin 2005, Mewtwo King participe à son premier tournoi de taille nationale, le Getting Schooled 2, avec tous les plus grands joueurs de cette époque. Le roi Ken, meilleur joueur du monde, Azen numéro 2, Aizai numéro 4, Chudat numéro 5, Chilin numéro 9, en plus d'autres légendes comme PC Chris, of course they use that picture of Chilin. Et là, normalement, c'est le moment où je vous dis que Mewtwo King s'est ramené et a défoncé tout le monde, on est d'accord? Ben pas du tout, il termine 23ème sur 99 joueurs. Alors, c'est pas dégueu pour un premier tournoi national, mais c'est clairement pas ce qu'on appellerait un niveau de dieu. C'est durant l'année 2006 que Mewtwo King commence à se révéler avec d'excellentes performances et une grande régularité, notamment sur le circuit MLG de Smash Bros. Fin 2006, Mewtwo King est désormais un joueur compétitif reconnu et respecté, considéré comme 6ème meilleur joueur mondial. Mais ça lui suffisait pas, et je crois qu'il est temps de vraiment commencer cette vidéo. Mars 2007 se déroule un tournoi national, le Cataclysme 3, 112 participants. Mewtwo King se hisse en grande finale contre Korean DJ, numéro 5 mondial. Et pour la première fois, après 3 ans de compétition et d'entraînement, Mewtwo King remporte enfin son premier tournoi majeur. Et après ça, c'est la Zumba. Mewtwo King se déchaîne. Pendant 6 mois, il ne fait que des premières ou deuxièmes places. Il ne connaîtra un coup d'arrêt qu'à l'Evo 2007, où il terminera 9ème, notamment stoppé dans sa course par le petit rondoudou d'un joueur inconnu, mais ça arrive de se planter. Malgré cette... It's still crazy to this day to understand how Evo... And I know that was in 2007, right? But to this day, it's still crazy that they've ran best of one. So they... Like, Mewtwo King got 9th, right? They played best of one and then random for stage. Like, they had some stages that could appear on random, right? So it's not like you would play in, like, Hyrule Temple, for example. But best of one and random stage. It's so unbelievably bad. Like, whoever came up with that rule set should have been fired on the spot. Then on top of this, I guess no one did this. I really hope not. Not that we would ever be able to prove it. But... In all my years of playing Melee, I've never seen the same stage on random, when we play with like 5 or 6 stages, appear 3 times in a row. Twice can happen, but I've literally never seen 3 times. So I'm not even sure if it is possible in the game. So if you were really grimy, you could actually go to a setup, ensure that your worst stage could not happen, and then, you know, if it's, you know, random stage,
is like, oh, I can't get my worst stage. Good rule set. Good rule set. Contre-performance, Mewtwo King termine la saison aussi fort qu'il l'avait commencé et est considéré meilleur joueur de mêlée du monde en fin 2007. Et il... But yeah, don't take my word for that. But I'm fairly certain I've never seen it. But I could be wrong. It might be some absurdly small chance. But yeah, I haven't seen it at least, based on memory. Il fera encore plus fort en 2008 en terminant premier sur 9 des 10 tournois importants auxquels il participe cette année-là. Meilleur joueur de mêlée fin 2008. Facile. En 4 ans, Mewtwo King sera passé de total inconnu dont on se moquait à double roi du monde. Mais comment il a réussi ça? C'est quoi qui sépare Mewtwo King du reste? Mewtwo King, contrairement à la plupart des meilleurs joueurs, joue beaucoup de personnages différents, principalement le trio Marth, Shake et Fox, mais on l'a vu utiliser Peach et même Rondoudou dans de très rares cas. S'il joue autant de personnages à top niveau, c'est car il aime pouvoir contrer son adversaire avec un perso contre lequel il aura de la peine, mais c'est aussi quelque chose qui lui est reproché. Cool. Fox really de cool. Melee est un personnage ultra technique qui demande un entraînement de fou pour être joué à top niveau. Le fait que Mewtwo King sépare son temps entre 3 personnage rend fatalement son Fox très inconstant, capable du meilleur comme du pire. Et conscient qu'il n'est pas toujours au niveau technique des autres Fox, quand Mewtwo King le joue, c'est avec un style ultra défensif, utilisant entre autres beaucoup de lasers. On se rappellera de cette fois où AngryBox lui-même s'était plaint du style de jeu à distance de Mewtwo King. Four miss smash DI inputs. HBox lasering, describing his view of the matchup. Arrivé à énerver AngryBox qui est... It would have been funny if Mewtwo King was like started doing like a shit ton of backers to like taunt him back. Un des joueurs les plus patients du monde avec son rondoudou, ça vous en dit beaucoup sur ce qu'est capable de faire Mewtwo King. Vouloir jouer autant de personnages le conduira aussi à de cuisantes défaites, comme ce match si triste en 2016 contre Nintendo's Mewtwo King's Peach so much. Mewtwo King essaye d'arnaquer avec Peach, qui est très forte. I love Mewtwo King's Mark, but I hate his Peach. Est clairement pas au niveau de ses trois sorry, vrais Jason. Persos, et il se fait alors wobble à répétition. It did create a very funny emote though. Des Ice Climbers. Can we get some Jujutsu Jason? Jason in chat, sorry. I'm sorry Jason. It's just... Alors Mewtwo King est connu pour son trio de personnages, mais finalement ce trio n'est qu'une conséquence du style de jeu de Mewtwo King. La volonté d'être optimal tout le temps. Vouloir tout le temps trouver le coup parfait dans chaque situation. Unless you're frame perfect 99 out of 100 times, you're not good enough. That's my mindset. That's what I tell myself. That's how I got good. Et si cette approche peut le faire galérer à trouver des ouvertures, une fois qu'il vous a touché, vous êtes mort. Son jeu de punition est sans égal. Big lead right now. Yo, say what you will. I mean, Marth's edgeguard on Fox really, really strong. Oh my god. But as soon as Marth is off the stage, without a jump, oh, but that was a classic true zero to death Mewtwo King style. Et dans un jeu aussi rapide et brutal que Melee, les vies peuvent partir en un claquement de doigts. So intercept the side B because he has such a good active frames, right? Yeah. Okay. Oh my god, that's all it takes. Et rien ne montre mieux son optimisation et son jeu de punition effrayant que ses matchs sur le terrain plat Destination Finale. Car si Mewtwo King est un roi, Destination Finale, excusez-moi du terme, mais c'est son putain de château fort. Wow, that was Odi. Reverse jab. Boom! Oh, Mewtwo King! Mewtwo King! I mean, in Mewtwo King's later years, he did play significantly more Marth. But yeah, he did still have his, like, Cheek and Fox. Wow! Mewtwo King! This is his stage! Mewtwo King est connu pour massacrer notamment les Fox et Falco sur ce terrain. Il les garde des années en désavantage et possède sur eux ce qu'on appelle un chain grab. Il peut les attraper et les envoyer en l'air à répétition s'il a le bon timing et qu'il suit bien la trajectoire de l'adversaire. C'est devenu une des phases signature de Mewtwo King et le public le lui rend bien. Vous entendrez toujours des gens gueuler en rythme sur le chain grab. And he gets that grab. That's why I get to hit him. This is what Mewtwo King's really known for, I'd say, wouldn't you? Absolutely. Oh my goodness. Absolutely. Oh.
Sur ce terrain sans plateforme pour vous échapper, Mewtwo King peut vous tuer après une simple chop. Chop de Marth qui attrape de scandaleusement loin, plus loin que celle de Yoshi, rendez-vous compte, c'est aussi ça, Melee. Et ce qui est pratique, I mean, quand vous avez a pretty une telle good maîtrise grab. Contre les animaux de l'espace, c'est que dans Melee, vous allez en croiser des tonnes. Ils sont de loin les personnages les plus populaires du jeu en tournoi. En bref, quand vous jouez Fox ou Falco contre Mewtwo King, vous partez souvent du principe qu'il commence le set à 1-0, car vous allez perdre le match que vous jouerez sur Destination Finale. Mais reprenons le fil de notre histoire. Nous sommes en 2008. Mewtwo King est le boss incontesté de Melee. Mais il y a un petit jeu qui sort cette année-là. Smash Bros. Brawl, le nouvel épisode de la série, créé spécifiquement pour être un party game. Un excellent party game, attention, mais un party game, pas un jeu compétitif. Nintendo ne veulent pas que Smash soit vu comme un jeu ultra hardcore et dur à jouer, avec des manipulations compliquées et des longues phases d'avantage. Bref, ils ne veulent pas un Melee 2. Les joueurs compétitifs ne sont plus les bienvenus sur cette licence et Nintendo le leur font bien comprendre. Par rapport à Melee, Brawl est beaucoup plus lent et flottant, il n'y a presque aucun combo car vous pouvez agir très vite après avoir reçu un coup et vous avez cette célèbre mécanique qui vous fait tomber une fois sur 100 quand vous commencez à courir, ce qui donne encore moins envie d'aller vite. Et on ajoute à ça un équilibrage aux fraises avec plus de 30 personnages. To this day, I still really want to hear the story behind tripping. Like, whoever came up with it and why. I've told my stream this in the past, but I have a theory that the tripping, they were gonna have a meeting. They were having a meeting about Brawl, right? Sakurai was there, all the people working on the game was there. And one guy, he was late to this fucking meeting, probably holding like a bunch of papers, you know, rushing in, and then he trips. And Sakurai is like, that's it. And that's the story of tripping. That's what I choose to believe. Ayant des combos infinis et surtout le fameux Meta Knight qui est sans doute le personnage le plus puissant qu'on ait jamais vu dans Smash Bros. Tellement abusé que certains tournois l'ont carrément banni. Oui, tournoi, car malgré tous ces problèmes, il y a bel et bien eu une vraie scène compétitive sur Brawl. Nintendo voulait un party game, mais une scène e-sport s'est encore développée sur leur jeu. Faut pas sous-estimer à quel point les fans de compète sont déterminés. Et là où la plupart des joueurs pros de Melee n'ont jamais essayé de se mettre sérieusement à Brawl, pas Mewtwo King. Il a vu dans Brawl une énorme opportunité de se développer en tant que joueur ainsi que comme personnalité publique. Mewtwo King, il veut que Smash soit son métier toute sa vie, pas juste un hobby. Et pour lui, la meilleure chose à faire, c'est de se lancer à fond sur le nouveau Smash, car c'est là que la hype est censée aller. Melee devrait mourir gentiment avec la sortie de ce nouvel épisode. C'est dans l'ordre des choses, normalement. La suite d'un jeu compétitif sort, tout le monde passe sur le nouveau jeu et oublie l'ancien. Et de fait, les tournois Melee sont de moins en moins nombreux. MLG, qui soutenait Melee avec un circuit annuel depuis 2004, lâche le jeu. L'Evo 2008 se déroule sur... Yeah, the thing is, MLG, we went over that when, you know, it was like a lot of Nintendo bullshit going on at the time, but it was Nintendo, apparently, that made MLG drop Melee originally, way back, which almost killed Melee, and to this day, a lot of people still don't know that, but that was due to Nintendo, apparently, which really sucks. I mean, the Melee community obviously did recover, but... That was like, yeah, Nintendo behind the scenes trying to kill the scene. And it was really close to succeeding. Really close to succeeding. Another thing I want to say on this section is like, I mean, Sakurai really tried to get people not to compete in Smash when he like made Brawl with like tripping and stuff. But it's like, Brawl proved, even if you're a person that don't like playing Brawl, watching Brawl, that actually is like very irrelevant. For what I'm about to say, I feel like it's basically impossible to make a Smash game where no one will compete in it. Like, they really tried with Brawl. Sakurai probably gave it his all to make sure that no one will compete in this game, and it failed.
they tried with Smash 4 as well, and it failed. So, I mean, even if it was like forced items, you can't turn them off. It wouldn't even surprise me if some people still competed. So I guess with Ultimate, they kind of gave up on that idea that people like, oh, we're going to kill, you know, the competitive scene for this game in the sense that no one appreciated from a competitive standpoint. So it's like they tried, but Brawl proved that even if they did try, they are not going to succeed in that regard. Sur Brawl et abandonne Melee. Donc, Mewtwo King se lance à fond sur ce nouveau Smash Bros avec Meta Knight, qu'il prend car c'est le seul perso du jeu qui lui fait penser à un personnage de Melee, et il devient en 2008 le meilleur joueur du monde de Brawl. Et donc, si vous avez bien suivi, en 2008, Mewtwo King est numéro 1 mondial sur Brawl et sur Melee, numéro 1 sur deux Smash Bros différents. Yeah, I mean, I think this is like fair to say in a sense, but I've always said this, not that the document do anything wrong here, because that's how like the community saw it at the time, but as someone that was not from the US, I always kind of hated the fact that people are like, if you're the number one in the US, that's like you're number one in the world, even if you have never played against people from other places. Like Japan was super good in Brawl. First time like Brood, he was like an Olimar player from Japan. He was the second best Olimar in Japan. So not the second best Japanese player, but the second best Olimar. And when he went over to the US, he got second, actually beating Mewtwo King in the process. Don't take this the wrong way. I have tremendous respect for Mewtwo King, both in Melee and Brawl, and we're really good friends. So this is not like aimed at Mewtwo King specifically. I say the same thing for like a lot of Melee stuff, probably with the exception of Ken, because he actually did go to Japan, even though it was only one time, but still. I know times were different. People didn't have like esport teams paying for their trips. It was significantly harder to get like pro players from, you know, that different parts of the world to compete under the same roof. But I just never really like that aspect that so many people like saw it as like the US is the whole world. I mean, you can see that in other parts, like way outside of Smash. I really dislike that concept when a lot of people look at the US and that's the whole world. It's so silly. It's so silly to me, personally. En même temps, c'est un exploit que lui seul a accompli et on ne le reverra sûrement jamais. Il réussit un tel accomplissement grâce à son enchaînement de tournois. Presque chaque week-end, il se déplace à travers toute l'Amérique pour participer à des événements, à une époque où l'e-sport Smash Bros était encore sous-développé. Have to beat a 5 of the top 10 in the world in Brawl just to get like $200. Sometimes less, sometimes more. Mewtwo King voulait jouer, s'améliorer tout le temps, quelles que soient les conditions ou la taille des tournois. I played in garages a lot. I played in basements, tournaments, Smash Fest, garage turns, Smash Fest. I played outside. It's the worst place you have to sleep for a tournament. I've slept on the floor like a million times. Like, floor is really common. Arrive 2009, Melee semble effectivement en toute fin de vie. Alucard, un organisateur de tournois, se motive à essayer de rassembler tous les meilleurs joueurs de cette époque pour tenter de raviver la flamme une dernière fois. Et tout le monde répond à l'appel. 7 mars 2009 à New York se déroule le tournoi Revival of Melee. 136 participants. Bien évidemment, Mewtwo King est présent. Il arrive en finale côté loser. Il doit gagner le prochain set pour aller en grande finale du tournoi. Contre lui, Dash is Wheeze, un Falco classé 5ème mondial. Un sacré adversaire, même pour Mewtwo King. On est à 2-1 pour Mewtwo King. Plus qu'une victoire nécessaire pour gagner le set et aller en grande finale. Et c'est parti pour le match 4 qui deviendra un des matchs les plus importants de l'histoire de Melee. Isn't this like the most viewed like single match? I know it was at one point, but I think it's still might be. Démonter Mewtwo King. On est à 3 vies à 1, mais le roi se réveille. Hey!
Yeah, that's one of million times. Don't go to the ledge versus Mewtwo King when you're at zero and he has high damage. Don't do it. We've seen that. We've seen that movie a million times. We know exactly how it ends. But ironically, people, I mean, Mewtwo King doesn't really enter tournaments these days, but like, that was a common thing to see, like, you know, a decade later. Victoire 3-1 pour Mewtwo King. La folie est totale pour ce comeback venu des enfers et ce match est encore à ce jour un des plus vus sur YouTube avec près d'un million de vues. Mewtwo King arrive en grande finale et perd encore contre ce joueur de rondoudou là, un certain Mango, mais c'est pas le plus important. Ça might be over a million views now. C'est le comeback contre Dash is Wiz. La hype pour Melee était repartie, les joueurs en étaient maintenant convaincus, Melee était juste trop bon pour le laisser mourir comme ça, et il fallait continuer de développer la scène de ce jeu en parallèle de celle de Brawl, et tant pis s'il n'y aurait jamais le soutien de Nintendo. Quant à Mewtwo King, il continue de dominer les années suivantes la scène Brawl, numéro 1 mondial en 2009, 2010, 2011 et 2013, mais forcément, à avoir son attention sur plusieurs jeux, ses performances sur Melee commencent à décliner, d'autant que depuis 2009, il n'est plus le seul à dominer la compétition et quatre autres joueurs arrivent enfin à s'élever au même niveau que lui. Entre 2009 et 2012, la motivation première de Mewtwo King, c'est Brawl, et ça se ressent sur ses résultats dans Melee. Alors, c'est toujours des résultats excellents. Dites-vous qu'entre septembre 2007 et janvier 2012, Mewtwo King n'a jamais fait moins bien que 5ème à un tournoi Melee. Mais à partir de 2009, c'est plus la domination sans partage de 2007-2008. Au niveau du classement mondial, Mewtwo King est 4ème en 2009, 4ème en 2010, 5ème en 2011 et 5ème en 2012. Un dieu de Melee, oui, mais considéré comme le plus faible des 5 dieux. De plus, durant ces années, Mewtwo King est pris dans plusieurs histoire en tournoi. En mai 2011, lors du tournoi Brawl Qatar 5, il abandonne contre Entai en demi-finale winner, puis contre ADHD en demi-finale loser. Puis les trois joueurs se partagent entre eux l'argent gagné. C'est ce qu'on appelle du splitting, et c'est totalement interdit, afin de garantir une compétition saine et de l'enjeu dans les matchs. Et l'affaire de splitting qui fera le plus de mal à Mewtwo King, c'est lors du MLG DC 2010, encore avec ADHD. MLG va carrément bannir les deux joueurs de leur circuit de tournoi suite à ça, et cet incident est souvent donné comme une des causes principales pour lesquelles MLG n'a par la suite plus. I actually think Nintendo was the reason for the brawl one as well. I'm pretty sure, but a lot of these like things are very like it's been under the radar. But I'm pretty sure Nintendo was reason for Brawl getting removed as well. I'm like, yeah, fairly certain. I know Mewtwo King has talked about this in the past, of like how this type was like of behavior was basically like encouraged, and since he had like hard time with like social stuff, especially at the time, that he didn't realize how bad it was. But yeah, I don't think like splitting in that sense. I don't really know about cases. I know people that have literally like lost on purpose in certain matches, but all I can say is that I really hope stuff like that doesn't happen again. But even in like significantly more recent history than like 2008 or 9 or whenever. No, 2010 I think this one was. But yeah, still significantly more recent than that. Some shady stuff have happened, but I just hope we have that stuff behind us. Plus jamais fait de circuit de tournoi Brawl. Et on ajoute à ça que si en effet Mewtwo King domine Brawl lors de ces années, il n'est même pas vraiment fan du jeu en fait. But I don't like Brawl, it's so boring. Like Melee is fun. Melee is pretty good. I do think there are certain things I could have been like fixed to make get better. Et c'est l'occasion de vous parler du plus gros point faible de Mewtwo King, son mental et ses sauts de motivation. After late 2010,
there's like a 3-year time period where it's just like kind of soul searching in life. I just didn't really have motivation for whatever. Les tournois Smash Bros se jouent en double élimination, c'est-à-dire que vous commencez dans l'arbre des gagnants. Si vous perdez un set, vous vous retrouvez dans l'arbre des perdants. Si vous enchaînez les victoires et arrivez au bout de l'arbre des perdants, vous affrontez le vainqueur de l'arbre des gagnants dans une grande finale qui décidera du vainqueur du tournoi. Et si vous perdez un set alors que vous êtes dans l'arbre des perdants, le tournoi se termine pour vous. Il y a des joueurs qui révèlent tout leur potentiel une fois dans cet arbre des perdants. Il faut qu'ils se sentent dos au mur pour tout donner. Des pros de ce qu'on appelle une loser run, comme le mexicain MKLeo sur Smash Ultimate, connu pour sa fameuse forma de loser, ou ses comebacks de l'infini sur des matchs qui semblent totalement perdus. Mewtwo King, ben c'est pas du tout ce genre de gars. On parlait de sa domination sur Destination Finale, mais si par exemple vous arrivez à gagner contre lui sur ce terrain, vous lui mettrez un violent coup au moral. Lui, une fois dans l'arbre des perdants, ou quand il est en train de perdre un set, il a tendance à se décomposer, douter, se remettre en question. When Mewtwo King did that type of like head shake, you knew that as a competitor, like, for me, when I played against Mewtwo King, when he did that, I knew if like the next like 30 seconds goes well, it's a very, very, very high chance to win. It's like, I mean, it sounds a bit sad to say in a way, but like, if a competitor is like in that mindset, that defeated, if you keep them in that spot for just a tiny, tiny bit longer, it just gets harder and harder to come back from. So if a player like Mewtwo King in this example, or any of the examples that were shown prior, if you just don't give them that glimmer of hope right away, then it's basically over for a lot of these people. Mewtwo King did get better at this a lot over the years. His final few years were not nearly as bad in this regard as he used to be, so he did improve at it a lot. It's still like one of his weaknesses, but it wasn't as big of a weakness, you know, during later years. I think part for me was like, that's why I try to have like, you know, I don't really try to like express myself too much while playing, because I didn't want to give like insight to my opponents so they could read me easier. Like sometimes when I did compete, I even like used people's like overall body language as like tells and tool, like use it as a tool to have a higher chance of reading them what they're gonna do next. That of course doesn't work as good if you have like different TVs. That works better if you play on one TV. But yeah, that was like my mindset. Et jouer moins bien. Même en grande finale, ça lui est déjà arrivé de juste plus avoir la motivation de jouer, comme au Paragon 2015 contre Angry Box. And Mewtwo King gives up game one. I really feel like Huggy Box's tag is applicable. Bruh. Again. That puts her to sleep. That's a lot of great knockback. Oh, back air. Oh, that's gonna be it. Yeah, he's double back air. Oh, that's air. Wow, and look at Mewtwo King. Mewtwo King is so upset right now. On a affaire à un Mewtwo King qui en a tellement marre qu'il abandonne toute raison et prend lui aussi rondoudou. Évidemment, ça se passe pas très bien. Okay, guys. Oh. It's happening. Balloon fight. Go straight to the ledge. I'm so mad. I don't know if it's what does get out there. Oh, I love that, you know. He was that. And that will finish. Okay, off the top. Yeah. Oh, he's way up there and he takes it easy. That is it. Beautiful job. Hungry Box. En plus, Mewtwo King a besoin du soutien du public pour performer à son maximum. Il doit se sentir encouragé et se décompose quand le public est pour son adversaire. Alors qu'on dit souvent qu'un top player doit avoir un mental d'acier, c'est pas vraiment le cas de Mewtwo King. Et ses problèmes de mental lui auront joué des tours tout au long de sa carrière. But he has so many strengths that he could use to his advantage. But it makes me sad that regardless of how many things he has in his favor, he has to be obsessed about the one thing that might be not good right now. Bref, entre 2009 et 2012, c'est pas la grande joie pour Mewtwo King sur Melee. Des années un peu plus. Yeah, here's what, like,
yeah, like rock solid mentality, stuff like that, is very, very important. But I mean, if you look at like, if you do look at like traditional sports and stuff like that, like home field advantage, having the crowd on your side, it is like proven that it is, it does give you an edge. Like if you look at professional sports, like sure, I know it's not 100% exact the same, but still, like in traditional sports, like it's really, really, really common that teams have traditionally like much better stats on their home field rather than away field, and crowd support, you know, helps a lot in that. I mean, sure, if you do play away from your home field, you don't have the crowd on your side, you have to just accept it, but it is objectively harder. It is objectively harder. And even more so if your mentality already is like a weakness of yours, then it can affect you even more, like which it did in Mewtwo King's case. The fact that it affected him more than a lot of players, that's his own fault. But I think like even the best players to some degree will be impacted, like slightly negative, while your opponent slightly positive in most cases. Sombre, mais ça n'allait pas durer. Juillet 2013 se déroule le tournoi annuel EVO, le plus grand tournoi de jeux de combat du monde, intègre enfin Melee à nouveau. La dernière fois c'était en 2007 et Melee explose littéralement à ce tournoi. 709 joueurs, le plus grand tournoi qu'on ait jamais vu à cette époque. Et il défonce le record de spectateurs sur Twitch pour un EVO lors des phases finales avec un pic à plus de 135 000 spectateurs. Mewtwo King est de la fête et termine 5ème. Encore une fois, les 4 autres dieux sont devant lui. Mais ce tournoi va être une révélation pour notre Mewtwo King. Grâce à l'Evo, il y a une vraie hype pour Melee, plus que jamais, et elle semble durable. Le jeu attire maintenant le public mainstream, plus juste les gros passionnés. Et en plus, Smash 4 a été annoncé à l'E3 un mois plus tôt. Brawl semble déjà mort et enterré, personne ne voudra rester sur ce jeu-là une fois le nouveau Smash Bros sorti. Deuxième moitié de 2013, Mewtwo King prend donc la décision de délaisser progressivement Brawl et se concentrer à nouveau à 100% sur Melee, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus de 6 ans. Le rendez-vous est pris au prochain tournoi majeur, le Big House 3 en octobre 2013. 172 participants, 2 autres dieux sont présents, il était temps de briller à nouveau. That was funny. That's why I was just like, nah, I'm not dealing with this more. Oh, but that shine spike, that's gonna be it. Woo! Very good. Wow. Okay. Mewtwo King fans, heartbreak incoming. Incoming! Oh! And he dumpsters him right back! That was funny. Oh my god! It looked like he loved to hit, and that's over! And the king is comfortable on his throne. And the ledge! And it's over! Three stocks! Found a tree! That handshake. Doesn't it though? Oh, oh no, Smashy Eye, and that's game one. Jason. Oh. No! Oh my goodness. But he can't rest. He can't rest anymore. Oh no. Oh my god, that's his head. Pops off. His glasses. His glasses are still there. They're gone. They're gone. Didn't they like got destroyed or something in that process? I don't remember. Oh my god, no, it didn't just happen. Wait, did that happen due to the slant? Or did HBox not hold fully back? Because on like flat surface, you actually can't do down throw, turn around, up smash. And it doesn't connect against Puff. It does against Peach, but it doesn't against Puff. But I'm wondering if the fact that the surface, it's like the slant, right? That actually might be the difference there. It probably was actually. That's hella smart. That's hella smart if Mewtwo King did it due to that reason. Oh my god, no, it didn't just happen. That was such a bait angle. Oh my goodness, right? He almost hit up. And he catches it coming. Oh my goodness.
Oh, and that's it. That's beautiful it. Choice of Mewtwo King. A big smile for both of our players. Mewtwo King is back, ladies and gentlemen. Après des années sans victoire majeure, Mewtwo King remporte le tournoi. Même Hungrybox, son adversaire, est content de le voir gagner. Tout le monde est en feu pour le retour du roi. Et c'était pas fini. Après Big House 3, Mewtwo King termine l'année 2013 sur une folle série de 14 tournois gagnés de suite. Au classement 2013, Mewtwo King est alors positionné 3ème joueur mondial. En 2014, il continue sur sa lancée. Sur 59 tournois de mêlée, il termine 43 fois premier et 10 fois deuxième. Des vrais stats de champion, n'est-ce pas? Eh bien, fin de l'année 2014, il est classé 4ème mondial. Essayez juste de vous rendre compte du niveau abusé des mecs au-dessus de lui pour que ça arrive. Et ça aurait été ça, finalement, le souci de la carrière de Mewtwo King. Si il enchaîne effectivement les victoires, il a toujours beaucoup plus de mal quand il doit affronter les autres dieux de mêlée. Et il n'a jamais de victoire ultra prestigieuse dans les tournois les plus massifs, comme les Evo ou les Genesis, qui sont les deux événements majeurs d'une année de Smash Bros. Fin 2014 sort Smash Bros 4 sur Wii U. Le jeu est très bien accueilli par les joueurs compétitifs de Brawl. Nintendo a rétro-pédalé sur pas mal d'aspects qui déplaisaient. Le jeu est moins flottant, plus rapide, il y a plus de combos et j'en passe. Mais c'est clairement une suite à Brawl dans l'esprit. Et il semble évident maintenant que Nintendo ne se dirigerait plus jamais vers un gameplay aussi exigeant et technique que Melee. Donc l'énorme majorité des joueurs de Melee sont restés sur Melee. Une fois de plus, sauf Mewtwo King, évidemment. Smash 4 enterre. Yeah, I mean, people being happy for Mewtwo King to win, even his opponents, I think a lot of it has to do with the fact that, like, in Melee, Mewtwo King very often, as described, he did, you know, perform very well, but he did struggle against, I mean, not always all of the gods simultaneously, but he had hard to, like, piece it together against all the players at the same tournament, right? So Mewtwo King did, for the most part, perform very well, but he often came up short. He did have, like, quite a few second places at Super Majors, third, fourth, fifth, but he didn't really have any first place, so, like, for HBox against Mewtwo King there, I think he was just happy that, you know, Mewtwo King got one. And then when Mewtwo King beat me at Summit 6, I think he hadn't really won, like, any tournament of that prestige literally since I started playing in the US. So it was like, sure, like, you try to win, right? But when you know that a guy like Mewtwo King went through so many heartbreakers, it's hard not to be happy for him. And then for me, Mewtwo King was, like, always the closest one to me out of all the, like, top players. So that added to it as well, of course. On top of, like, motivational issues at the time, but even if that wasn't the case for me, I think I still would have been as happy knowing, like, how many heartbreakers he had had. So, yeah, I think a lot of it is due to that as well. Brawl direct et les tournois commencent dès fin 2014. Mewtwo King s'y lance à fond, comme au début de Brawl, avec grand succès. Même s'il n'aime pas le concept de mise à jour d'équilibrage, ça lui fait peur d'avoir un personnage qu'il aurait travaillé pendant des centaines d'heures se faire démolir en une simple mise à jour. Faut pas oublier que ni Melee ni Brawl n'avaient jamais reçu le moindre patch. Malgré ça, Mewtwo King se motive et s'impose très vite comme un des meilleurs joueurs de Smash 4. Tout d'abord avec Diddy Kong, puis à partir de fin 2014, avec Cloud, une fois le personnage intégré dans le jeu. Cependant, il ne réussit pas à claquer tout le monde comme sur Brawl et se retrouve classé 28ème mondial pour l'année 2015 sur Smash 4. Et sur Melee, l'histoire se répète. Avec son attention à nouveau sur plusieurs jeux, les résultats de Mewtwo King chutent en 2015. En plus, il souffre de plus en plus de douleurs aux mains qui l'empêchent de jouer à son plus haut niveau, surtout avec Fox. Il est même obligé d'annuler sa venue à l'Evo 2015 à cause de ça. When I play Melee too long, my hands start hurting right here. It just hurts a lot. That's actually one of the reasons I don't use Fox as much as I would like. In the long run, if I keep doing this, I'm really going to pay the price. Kind of inevitable that will happen at some point if I keep playing Fox. And I probably have already done some serious damage to myself. If I keep going at the same rate, it's not going to be too pretty for me. And that's one of the reasons I'm, like, interested in, like, the new game.
mainly because I just want something different. Okay. But it's also because I'm actually seriously worried about my hands. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des bons jours et d'exploser parfois, comme au PAX Prime en août 2015, où il met un 6-0 net et sans bavure à l'EFN numéro 2 mondial à l'époque. En finale, tout ça en switchant entre ces trois personnages pendant les sets. Un sacré parfum de revanche pour Mewtwo King, car l'EFN était de ceux qui aimaient dire que Mewtwo King n'était plus au niveau. Mewtwo King terminera l'année 2015 5e mondial et qu'on remette encore en perspective, une mauvaise année pour Mewtwo King, c'est toujours une année de dingue. Seulement voilà, quand vous obtenez le titre de dieu d'un jeu vidéo, les attentes qui pèsent sur vous sont monstrueuses. Faire une très bonne année, c'est toujours pas assez bien. En 2016, Mewtwo King se lance un dernier grand défi sur Smash 4 avant de lâcher progressivement le jeu. Battre Zéro. Il voulait se prouver qu'il pouvait le faire, qu'il en avait encore dans le ventre. Battre Zéro, donc. Facile à dire. Sur Smash 4, il n'y avait pas 5 dieux, il n'y avait qu'un seul monstre, Zéro, le Chilien, qui a dominé de la tête et des pieds l'esport de ce jeu. Un joueur qui est carrément entré dans le Guinness Book des records comme le type qui a gagné le plus de tournois à la suite de tout l'esport. Une série de 56 tournois entre novembre 2014 et octobre 2015. Presque un an entier. Il était pratiquement intouchable et en début 2016, seuls 4 joueurs Smash 4 avaient réussi à le battre. En mai 2016, lors du Get On My Level, ça y est, enfin, Mewtwo King réussit son objectif. Il claque 0 avec un sec 3-0. Mewtwo King continuera alors à jouer à Smash 4, mais se concentre à nouveau essentiellement sur Melee. Et l'histoire se répète. Il obtient de meilleurs résultats. Shine 2016, 989 participants. Mewtwo King arrive en grande finale contre S-Fat, joueur de Fox 13e mondial. Mewtwo King gagne les deux premiers matchs, puis S-Fat choisit lui-même destination finale comme terrain pour le match. I remember this part. Mewtwo King le regarde comme s'il était le dernier des débiles, puis il le massacre. He gave him the goofiest look. Like, yeah, you really gonna do that right now? You gonna fight me in my kingdom? There's literally no advantage to doing this, right? I like the S-back kind of like counting. Oh my goodness. Yeah. Walk up F-tilt King right now, and that's gonna be the dare to close it out. Mewtwo King. Wasn't like the reasoning something along the lines, if I want to win the tourney, I already have to beat him twice on the stage? I don't remember exactly. Cette fois, pas de retour du roi. It was weird. What? Depuis 2017, Mewtwo King s'implique chaque année de moins en moins dans la compétition. Il a prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Il a été numéro 1 sur Melee, sur Brawl et a battu le boss de Smash 4. When you reach your goals, then just go on to another goal. That's why that's what I'm doing. My other goal is expanding in to everything. Désormais, toujours dans cette volonté de vivre de Smash sur le long terme, il se construit avant tout une image et une audience sur son stream, sa chaîne YouTube, et se concentre aussi sur le développement de Most Valuable Gaming, l'équipe e-sport et d'organisation de tournois dont il est copropriétaire. Son but principal n'est maintenant plus la compétition à tout prix, mais il reste un dernier coup d'éclat à son actif. Mai 2018. Bienvenue au Smash Summit 6, un des plus prestigieux tournois de l'année, de type invitational, où 16 des meilleurs joueurs de Melee du monde se rencontrent. 4 dieux sont présents, Mewtwo King ne part pas favori. Dès les quarts de finale, il tue le numéro 2 mondial, Armada. Demi-finale, il retrouve l'EFN, numéro 6 mondial, Poubelle. Mewtwo King arrive en finale winner, il est contre Zayn, numéro 22 mondial, un nouvel arrivant sur la scène et vu comme le successeur à Mewtwo King au titre de meilleur Mars du monde. Il est en feu et rien ne semble l'arrêter, il a déjà battu un dieu sur sa route et il veut du sang, mais Mewtwo King était lui aussi dans un de ses bons jours. Oh.
grande finale, c'est reparti contre Armada, le boss ultime. Il a fait son loser run et il veut sa revanche. That was smart. It was so hard to play against Mutaking on that stage. Yo, Izzo, thank you for the prime, buddy. Thank you so much. La réaction de Mutaking à cette victoire est un des moments les plus doux de l'histoire de Smash. Il reste là, hébété. Il ne comprend pas, il n'arrive pas à intégrer le fait qu'il vient de gagner un tournoi de cette ampleur. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. Il arrive même à faire sourire Armada après une défaite. Et je pense pas me tromper en disant que c'est la seule fois que c'est arrivé. Il est comme ça, Mutaking. Tout le monde est tellement content quand il performe. So when you won, did you think there was another game, another set? No, I was just like, wait, that doesn't happen. I always don't win. What? So it actually happening was like, wait a minute. I mean, I've always known I was good enough, but then I never do it. I was like, oh. I did it. It's mostly just so much shock. That's just the shock's overwhelming everything. Where does this rank in terms of like your all-time tournament wins? Is it first? First. Cette victoire au Smash Summit 6 sera la toute dernière victoire marquante de Mutaking. Alors, it's like ironic. It's ironic because when Mutaking did his I can't call it pop off, but when he won, he basically pulled the peach. He basically pulled the peach on me. Did I win? More or less. So I was like very ironic as well. Good shit, Jason. Good shit. Où en est-il maintenant en 2020? À 31 ans, il reste convaincu qu'il pourrait toujours être le numéro 1 sur Melee s'il se donnait vraiment à fond et jouait dans des conditions optimales. Et il est en tout cas persuadé d'être bien meilleur que sa 10e place actuelle dans le classement mondial laisse penser. I think you're kind of the underdog story in Melee a lot of the time. So yeah, the fact definitely the underdog, but I think it's also due to like, I never really focused entirely on Melee. I was always playing Melee and then Brawl and then just I played all the Smash games. Il a donné une chance à Smash Ultimate au début du jeu et fait quelques tournois avec son Bowser, mais ça n'a pas pris. Son gros projet actuellement est l'écriture d'un livre sur sa vie de compétiteur Smash qui, vous l'aurez remarqué, a été particulièrement riche. Yeah, that was another really really good episode. I really liked it. I mean, as I said earlier, Mutaking was always the closest to me out of these players. But it's still cool to like get to experience all of these things again. This is the second episode I watched. I watched my own. Now we watch Mutaking's. We are gonna have a goal to watch HBox episode next. I think, yeah, HBox and PPMD's episodes have English subtitles, which obviously is needed. I sadly do not understand any French, and a lot of the viewers also don't. Even though, you know, we always get a lot of the support from the French people, which is much appreciated. And since Brunol himself is in the chat, thank you for another amazing episode. It's been really fun to watch. To everyone watching, make sure to check out the original video. Give Brunol a sub. I think he's more than deserving that after these amazing, amazing episodes. Yeah, make sure to give us a follow to the stream if you haven't. Would be much appreciated. And if you want to support the stream further, a sub, Twitch Prime, much appreciated. As I said, we have a goal for the HBox episode next. If we do reach the goal today or, you know, at some point soon, we're gonna schedule a day and time when we watch HBox episode next.